Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo que je ne voulais pas faire, mais bon, je me dois obligé de la faire pour vous tenir au courant de ce qui va se passer et de pourquoi il y a autant d'inactivité. J'en ai parlé vite fait sur Instagram, ceux qui veulent me suivre sur Instagram, il est juste ici, voilà, n'hésitez pas, ceux qui veulent rouler avec moi, bah c'est grand plaisir, venez sur mon Instagram. Merci du soutien en vous abonnant et le petit pouce bleu, on est bientôt 100 000, ça fait super plaisir. Je peux plus faire de vidéo, voilà, je vais tout vous expliquer dans celle-ci. J'espère qu'on va bien m'entendre parce que je vais vous donner les conditions. Vous allez voir qu'elles sont pétées les conditions de pourquoi je ne peux plus faire de vidéo. Si vous avez des petites idées de vidéos que vous voulez voir avec la 50 ou même avec la crosse, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je passe, je lis. Pour ceux qui ont vu sur les dernières vidéos, j'ai mis quelques cœurs, c'est les commentaires que j'ai pu lire. Même si en ce moment, je vais pas vous mentir, on a le moral à zéro, à nada frérot, avec ce que je vais vous dire juste après. Mais voilà. Je vais pas vous mentir que là, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Mais bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo, que vous allez tout comprendre et que je peux compter sur vous, quoi. Et n'hésitez pas à me lâcher votre petite force dans les commentaires. On va essayer de revenir le plus fort possible. Bref, allez, écoutez le V12 là. Ah ouais, c'est le V12. Bref les mecs, je vais tout de suite vous dire pourquoi je peux plus faire de vidéo, parce que après sinon on risque de pas m'entendre. Et voilà, je m'en excuse. Donc simplement la raison c'est que bah j'ai plus de quoi filmer. Donc là vous êtes en train de vous dire attends Léo, tu te fous un peu de notre gueule là, comment ça t'as plus rien pour filmer? Bah, en fait figurez-vous que les mecs, la GoPro a rendu l'âme. Oh la petite Mercedes. Oh, elle est toute mini. La GoPro a rendu l'âme. Je vais pas vous mentir que là je filme avec, mais je ne peux plus continuer de filmer avec. Pourquoi? Parce qu'elle n'enregistre plus le son. Et voilà, je suis trop dégoûté, vous inquiétez pas, j'ai pas eu de problème avec la police. Même si j'ai fait quelques allers-retours au commissariat et à la gendarmerie ces derniers temps, on passera les détails. Moi ça va très bien, vous pouvez y aller les mecs, hein. Moi je vous regarde, moi je fais ma petite vidéo. Hein. Mais du coup ouais, je peux plus enregistrer les vidéos, c'est assez relou. On va laisser l'auto-école passer, on va y aller. Donc je peux plus faire de vidéos, c'est assez relou quand même. Ok bah, l'auto-école. Hein. Enregistré avec la GoPro, je ne sais pas pourquoi, j'avais déjà des problèmes avant. J'ai acheté un support qui permettait de brancher directement un micro, ça a marché 2 semaines, là ça marche plus. On m'a dit de racheter des batteries, j'en ai racheté, ça fonctionne toujours pas. Donc en fait là je sais pas ce qu'il faut faire. Je peux rien faire à part vous faire des vidéos à l'iPhone. Parce que sinon bah, après la qualité elle est pétée, j'ai pas envie de vous sortir des vidéos avec la qualité pétée. Donc je sais pas quand je reviendrai, en tout cas j'espère au plus vite, mais je peux rien vous promettre. Mais je me devais de sortir une dernière vidéo pour vous expliquer et pas vous lâcher comme ça. Parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui aiment bien regarder les vidéos malgré tous les haters, frérot, qu'on a dans les commentaires. Mais voilà, j'espère revenir le plus rapidement possible. À mon avis, je vais changer de GoPro, mais vous savez que ça coûte pas 55€ à Lidl. Oh le bordel. Allez, c'est parti. Laissez-moi aller chercher un colis et je reviens. Et donc la dernière qui fonctionne pas, peut-être appeler service GoPro, mais vas-y, c'est parce que ça prend au moins 2 semaines. Donc ça veut dire au moins il n'y aura pas de vidéo pendant je sais pas combien de temps, mais ça va être trop lourd. Ah bah avec une vitesse ça va aller moins bien cher. Si tu pourrais démarrer, ça serait cool. Oui. Mais du coup voilà, j'essaierai de l'envoyer au service GoPro pour la réparer en attendant peut-être faire des vidéos entretien ou des vidéos challenge. Je sais pas, j'essaierai de trouver de nouveaux concepts, hein. On va essayer de se réinventer ou faire des présentations d'abonnés et filmer avec l'iPhone en attendant que la GoPro soit de retour parmi nous. Mais ouais c'est relou, hein. C'est relou, je vais pas te mentir. En plus le pire c'est que j'ai tourné 2-3 vidéos. Donc sur une après-midi, je suis parti toute l'après-midi vous tourner des vidéos. Je rentre chez moi, je vois quoi, il n'y a pas le son. On n'entendait que le vent, c'était horrible. Donc je pouvais rien en tirer de ces images. Alors qu'il y avait des images de fou en vrai, j'avais fait des trucs de fou sur les vidéos. Un peu le seum.
Ouais, c'est la vie, hein, écoutez. Allez, vas-y, frérot. Quand on roule pas là comme ça, mais vous voyez pas du coup mes excès de vitesse à 2,90, frérot. Ouais, le monde, ça va le monde. Oh, la petite Tesla folle là, elle est revenue. Arrêté, j'ai croisé du monde. Là, on part dans la campagne se mettre au calme. Donc voilà, c'est une petite vidéo vraiment pour dire de la perte, pour vous tenir au courant, mais on va s'arrêter là sur le côté. Bon, voilà les mecs, je me suis arrêté vite fait pour vous parler. J'ai coupé la moto, donc voilà, ça fait chier, vrai, ça fait tellement chier. Genre là, quand t'es motivé à fond pour faire des vidéos et tout, en plus. Il y a couvre-feu, enfin confinement, là il n'y a pas les écoles, du coup frère, j'ai le temps pour tourner. Et bien sûr il y a toujours des petites galères, mais voilà. En tout cas, donnez-moi des idées de vidéos que vous voulez voir, que je peux filmer avec la caméra ou à l'iPhone, genre des vidéos présentation, des vidéos d'entretien, enfin des trucs comme ça, peut-être des modifs à faire. Mais voilà, en tout cas c'est tellement relou, n'hésitez pas à venir sur Insta et TikTok. Parce que vrai, du coup j'essaierai de plus poster là-bas. J'essaierai de vous poster des photos toutes les semaines et tout. Bon, normalement en vrai ça devrait. Je vais revenir peut-être dans une semaine, deux semaines max. Je vais essayer de faire le nécessaire le plus rapidement. Ceux qui ont des petites astuces à qui c'est déjà arrivé, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Parce que vas-y, j'ai quand même claqué une bonne grosse somme pour avoir la dernière GoPro et au final elle fonctionne même pas. C'est ce qu'on appelle se faire baiser les mecs. En tout cas, merci à tous de la force qui va avoir dans les commentaires, je vais les lire et je sais qu'il y aura de la force parce que vous êtes des bons. Voilà, bon, sur ce les mecs, je vous laisse là sur cette magnifique vue de cette magnifique derby où on a fait de nombreuses vidéos ici d'ailleurs. Allez, sur ce les mecs, donnez-moi des idées de vidéos que je peux faire à l'iPhone. On se retrouve au plus rapidement possible, j'espère. Profitez, faites attention sur la route. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont des motos tous les jours, qui m'envoient des messages, regarde, j'ai eu ma bécane et tout. Faites attention les refs, prenez le temps, habituez-vous. Prenez soin de vous les mecs. Moi je vais aller déprimer dans mon coin. Frérot, ça casse les couilles, c'est horrible. On espère revenir le plus rapidement possible. Sur ce les mecs, c'était Léo. Ciao ciao.